Eh bien, bonjour à tous, c'est Draco. Aujourd'hui, on se retrouve sur Street Fighter V Ultimate versus Ray Edition. Écoutez, tout le monde, on va se faire un petit Street Fighter des familles parce que ça fait plaisir. J'ai chuté en point de ligue, voilà, malheureusement. On va essayer de rattraper le coup. Écoutez, bienvenue à tous. Bonjour à tous. Et on va essayer de rattraper le coup sur les points de ligue. On va changer de chanson. Et donc j'espère que les matchs vont se faire assez rapidement. J'ai attendu qu'un adversaire se présente pour lancer la capture. Comme ça fait pas perdre de temps. Voilà, c'est parti sur la chanson du film King Assassin Fist Street Fighter. Ah, j'ai oublié qu'il faisait deux fois. Voilà, je me laisse. C'est pas bon du tout. Ok. Et voilà. Donc ça, c'était un petit ennemi. Il faut qu'on remonte dans les. Bah, moi, je veux remonter à mes points. Donc à 8000. Ok. 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 Ok, on est obligé de gagner, hein, de toute façon.
Voilà. Jouer le petit filou, ça marche. Tu te concentres, il voit que t'es vulnérable, toi t'es dans ta boule, et bam! Il se mange la boule de feu. C'est parti, ok, on est bon. You seek well, you already go. Ouais, c'est des petits points, 55, franchement, hein, je vais pas m'esclaffer là-dessus. Je suis content parce que j'ai gagné, mais bon, voilà, c'est pas non plus... hein, on va pas... C'est quoi le costume qui a débloqué en ce moment? Ok, c'est Balrog. Ok, Balrog comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ok. C'est du 1er février au 1er mars. Ok. Bon bah j'espère que le chercher opponent va se faire assez vite. Donc allez c'est parti, let's go là. Allez, 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 waiting for you là. Allez, dépêche-toi. Accepte, 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 accepte. Parce que des fois ça accepte pas. Voilà, accepte, merci, voilà, let's go, va vite. Ça va vite, ma connexion elle est à fond, tout est à fond. Je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes, je vois pas pourquoi c'est quoi le... Pourquoi il y aurait des soucis, pourquoi il y aurait... Je comprendrais pas pourquoi. Un Guile. Eh ben dis donc. Je peux vous dire que... On n'est pas à la moitié d'un. Paralystochtine. One punch money. Ah, avec tes punches, tu veux gagner de la monnaie. C'est ça. Ok. On va voir ce que tu vas gagner avec tes punches. Je vais t'apprendre à respecter tes aînés, moi. Tu vas voir. Et voilà. Allez, One Punch Money. Hop, oust, oust. Ça dégage. Dans le respect, bien sûr, hein, mais... faut bien se galvaniser un peu, non? Vous trouvez pas? On va se calmer. Ok. Et voilà. Ouh. C'était chaud. On s'est concentré, on s'en est pas mal sorti. Donc un petit Street Fighter des familles, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de retourner sur le jeu Street Fighter, surtout le 5. Le 4, il avait des choses qui étaient vraiment mal faites. Les coups, certains coups de Dalsim, notamment le point en bas, etc. Il y avait certaines... Malgré que j'ai le jeu, hein, il y avait certaines... T'as combien de points de ligue toi? Bah tu m'intéresses pas, allez vas-y. Malgré qu'il y avait certains défauts, bah ça va pas empêcher d'avoir le jeu et d'y jouer à ce moment-là. Il y a très très longtemps maintenant, très longtemps. Et là Street Fighter 5 c'est juste du plaisir avant que le 6 arrive. Et le 6 il est loin d'être fini, loin d'être abouti, loin d'être appréciable. Peu importe ce que vont dire les gens, moi j'apprécie pas du tout l'effet de peinture, j'apprécie pas du tout la gestuelle des mouvements de celui qui fait du Drunken Master Kung Fu. D'ailleurs c'est tellement naze que j'ai oublié son nom.
Chun-Li, faut la réviser de fond en comble parce que c'est devenu voilà comment elle est devenue. C'est une honte. Des grosses cuisses de dinde, un cul mitouflé à l'huile d'arachide. Donc au bout d'un moment, il y a des trucs qui vont pas. Faut rectifier tout ça. Les personnages quand ils sautent, il y a des câbles. Donc les câbles, tu me les enlèves s'il te plaît. T'enlèves la peinture, c'est pas Splatoon, c'est Street Fighter là. Voilà. Donc si tu veux faire un mode dans la ville où on se bat dans la ville, c'est clair, ça fait plus de depuis que le jeu est sorti en 94 sur Super Nintendo, on attend un mode où tu peux te balader dans la ville parce que Street Fighter, ça porte bien son nom. Voilà. Ibuki, on va essayer de la gérer, ça peut être chaud, ça peut passer aussi facilement aussi. Donc c'est vraiment à double tranchant, même à triple tranchant parce qu'elle a ses kunai. Donc, ouais, en plus 7300, donc ça c'est bon, ça m'a apporté plein de points si je gagne, donc faut que je gagne. Allez hop, concentration. Ouais, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Hein. J'ai eu du bol parce qu'en fait j'ai voulu faire mon V-Trigger, j'ai cru que je l'avais toujours. Et en fait non. Il m'avait été enlevé. Et ça c'est pas bien du tout, ça c'est méchant ça. Ok, je la prends, mais c'est elle qui me prend. Super! Je vois que ça commence. Ça commence. Ça commence là. Là, ça commence. Vous voyez? Bon, bah, gifle, hein. Une petite gifle, ça va passer. Un petit sécateur. Bam! Dans le genou, j'ai cassé le genou. Et hop, au stopat. Allez hop. Tu vas chez le kiné, chez le stopat là. Ça rigole pas. On n'est pas là pour rigoler. Moi, je suis là pour casser des genoux et remonter les points de ligue. Donc, un petit street des familles, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Un petit street des familles de temps en temps. Franchement, ça le fait. 89, tu veux rejouer? Tiens, je te fous la rage.
Ça fout la rage, ça. Quand quelqu'un il veut pas rejouer, je me le suis mangé tellement de fois, ça fout la rage. Donc moi, je ne rejoue pas. Tu vas te manger la rage. La rage, la rage. De toute façon, on va se rencontrer, t'inquiète pas. On est dans le même lobby. On va se re-rencontrer. On va se re-rencontrer. Moi, je veux des combats, je veux des combats, je veux des combats. Vite, 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 des combats. Yes. Musique d'Akuma. Là, j'ai mis la musique d'Akuma. Si on tombe sur un Akuma, je perds un câble. Voir. Bon, ça va, c'est un réu. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais n'empêche, n'empêche. Faire attention à Riette, parce qu'on sait jamais. Avec lui, hein. On n'est pas sorti de la berge, je peux vous le dire. Good. Good. Bah, c'est pas mal ce soir, on gagne tous nos matchs. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Parlons pas trop vite, hein. Voilà. Je donne des coups, frérot. Ok. Oh là là, je n'avais jamais vu cette technique de Ryu là. Ouah, ça fout la rage, vas-y, laisse tomber, vas-y, fuck you là. Tu veux te rebattre? C'est parti, mon gars. Et voilà, hop! Un petit perfect. Un petit musique de Blanquette. Parce que j'adore le remix de cette musique.
Mais purée, je peux pas placer mes coups, c'est un truc de fou. Faut que j'apprenne à faire les reversals, là. Les reversals, hein. Voilà ça. Bordel. Si j'arrive à faire ça, on me fout la paix. Si j'arrive à faire ça, on me fout la paix. Fini leurs enchaînements qui durent 24 minutes. Voilà. Moi, je casse ton enchaînement. Faut que j'apprenne à rentrer cette technique. Petit sécateur, petit sécateur, un tout petit sécateur, un petit sécateur, sécateur de The Winner, sécateur The Winner, un sécateur de The Winner, un sécateur, un petit sécateur de The Winner. Là, je suis en train de faire quelque chose à côté. J'espère que je vais avoir le temps. J'espère que je vais avoir le temps. J'espère que je vais avoir le temps. Il veut mettre oui, moi je mets oui, c'est parti. Pour la revanche des revanches des revanches de la troisième revanche. Attends, il y a eu le. Il y a eu le. Comment on dit déjà? S'il me fait une chope, voilà. Oh, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle de ouf. Ça me saoule. Mais tu sais quoi? Va te fouder. Donc on est à peu près équilibré. On a gagné, on a perdu, on a gagné, on a perdu. Je sais pas combien. Je sais pas. On a joué. Je crois que j'ai perdu, j'ai gagné et après j'ai reperdu. Donc j'ai gagné deux fois pour une victoire. J'ai perdu deux fois pour une victoire. Donc autant dire que c'est nul à chier. Ok, c'est parti. Ambiance festival, ambiance Street Fighter de famille. Let's go tout le monde, c'est parti pour le match. C'est parti pour le match des familles sur Street Fighter. On est là, on est dans la place. On est dans la place de Street Fighter. Costume noir et rouge.
Un Urien à 7400, dis donc, avec level 468. Et bah, putain, level 45. Et bah, purée, je peux vous dire que lui, à mon avis, il doit envoyer des pâquerettes, il doit envoyer des punchlines. C'est un truc de fou. Bon, on va le calmer. J'ai la pacification pour les Uriennes comme ça là. Voilà. Hop. Hop. Faut vraiment que j'apprenne à faire le truc qui renvoie là, qui renvoie, ça m'use une barre de trigger, mais ça renvoie le... C'est mieux que le V-Shift, je crois. Allez! Il me restait juste un petit coup à mettre. Une petite gifle et c'était bon. Mais ouais, vas-y. T'es nul mon gars. T'es nul. Je vais me rebattre contre toi pour montrer à quel point t'es nul. Je vais essayer de me concentrer, franchement. Purée. Ok, c'est un match. Toi, je sens que t'aimes bien commencer par ta petite technique. Et voilà. Une gifle en K4OS. Et bam! Ça passe direct. Allez, tu sautes, une petite gifle. Une petite gifle ou pas? Eh, gifle, gifle, gifle. Mais purée, je donne des coups, il a la prio surtout! Si je le passe, t'es mort. Voilà, allez hop! Technique secrète. Un petit Street Fighter D, un petit Street Fighter D,
Un petit Street Fighter des familles. Un petit Street Fighter des. Un petit Street Fighter des Street Fighter des petites familles. Mais bien sûr, il saute par-dessus ma boule, mais bien sûr! Comment je vais traiter Boulox, mon gars? Il a la je donne des coups, il a la prio sur tout. Espèce de fils de pute, va. Vas-y, rejoue, 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 rejoue. On reste toi et moi, on est bien là. Au moins les matchs ils sont rapides là. Non, tu veux pas rejouer? Bah, c'est bien ce que j'ai dit, hein. Allez, un dernier match là, allez, vite, 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 vite. Un dernier match des familles là. Un petit dernier match des familles, des familles, des familles. On va changer de musique. Ok. C'est parti. Ok. Bam, bam. Droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Uppercut, salto arrière. Esquive, balance du pouvoir sacré. Oh, Christo, remontez à la surface et faites-moi une paroi de glace. Vas-y, Christo, je compte sur vous. Bam. Searching, waiting for you, opponent. Another fight is coming your way. Comme si j'avais l'habitude de jouer. H24 à Street Fighter. Je t'avais dit qu'on allait se rencontrer, frérot. Et là, tu vas perdre. Tu vas perdre, tu vas perdre toute ta misère. Tu vas vouloir rejouer une deuxième fois. Et tu vas reperdre. Tu vas tellement reperdre. Tu vas tellement être deg. Que tu vas te disconnecter et moi j'aurai pas mes points. Espèce de fils de chien, espèce de fils de chien, ah, fils de chat aussi, hein. Non? Pourquoi pas? Et bam! Dégage-moi de là! Christo de classe, prenez le pouvoir, prenez la place! Oh! T'inquiète.
Ah non mais ça. Putain. Vous. Je donne un coup, il a la prio. Il a la prio. Il a la prio. Fuck you. Believe in me, tu mérites même pas de dire ça. Allez, hop! Une autre tournée. Autant qu'on termine à 5600. Autant terminer comme ça et ça fait des matchs. Allez, bah! Tu veux sauter? Gifle, gifle. Ah, j'ai vu qu'il avait fait ce coup-là. Feu, feu. Prise. Oh là là, super enchaînement. T'es mal mon gars. T'es mal, je te dis direct. Voyez, là je peux pas donner de coup. Je peux pas donner de coup. On peut le dire. Bon là, la concentration, elle est ultime là. Allez, basta! Concentration ultime, je t'ai dit. Voyez, avant, je jouais que comme ça. Mon jeu de Dalsim était que comme ça. Tenir à distance, zoner, avoir l'adversaire à distance, ne pas lui laisser le temps de quoi que ce soit de. Voilà, c'était comme ça. C'était bam, 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 ça n'arrêtait pas. Tu veux rejouer, c'est quoi? Ça fait des matchs? Allez, ça ferait une vidéo de 40 minutes, mais écoutez. Ça fait des matchs, bam bam. Tu veux jouer les psychopompos? Tu connais pas psychopompos, frérot?
Ah, j'ai voulu faire, vous voyez, la plus petite roulette, et après faire une balayette en bas, mais j'ai pas eu le temps. Gifle, 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 gifle. Mais je peux pas donner de coups, mais purée, mais pourquoi? Allez, bouffe-toi ça! Allez, un petit gif, et bam, dans ton cul! Allez! Faut une victoire, faut une victoire, faut une victoire pour fêter cette fin d'épisode. Allez, basta! Non! Tu rigoles ou quoi? Mais reste combien de temps sa fenêtre électrique là? Sors une victoire, tu l'as dans ton cul, Mister Miroir. Et toi, avec tes miroirs, tu te reflètes dedans. De toute façon, c'est des miroirs, c'est même pas des vrais miroirs. C'est des espèces de trucs dégueulasses. Parce que tellement que t'es dégueulasse comme personnage, t'as même pas envie de te voir dedans. Donc, tu fais des miroirs sans qu'on puisse se voir dedans. Hein? T'as compris le système? T'as compris la mécanique de jeu? Ok. Bam. Donc écoutez tout le monde, c'était Draco pour une petite partie sur un petit Street Fighter des familles, on s'est bien amusé. Là je suis bon. Ouais, ok c'est bon. Donc écoutez tout le monde, on se dit bye bye et à la prochaine dans une autre vidéo. Ne prenez pas au sérieux ce que je dis, je m'amuse, c'est du combat. Si vous voulez les explications, je l'ai dit dans mes directs live, le 2, le 3, le 4. Surtout le 2, le 3, le 4, je crois. J'explique plein de choses. Voilà. Donc, tout le monde, je vous laisse. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut tout le monde. Bye. Ciao.